en 1923, les 24 heures du Mans ne sont pas la course la plus ancienne du monde. Mais c'est assurément la plus longue et l'une des plus célèbres. À travers les vicissitudes du temps et les méandres de la mode, l'épreuve Mansell n'a pas cessé de passionner le public. Et ces 55 éditions représentent l'un des chapitres les plus glorieux et les plus riches de l'histoire du sport automobile. Certes, cette légendaire épreuve a connu des hauts et des bas, des périodes fastes et d'autres où elle cherchait sa voie. Mais contre vents et marées, elle a tenu, parce qu'elle est restée fidèle pour l'essentiel à la formule qui a assuré son succès. 24 heures en piste non-stop, deux fois le tour de l'horloge, la course de nuit. Malgré le progrès, c'est toujours parlant. Tout automobiliste se sent encore interpellé, même aujourd'hui, par cette ronde, à la fois exténuante et trépidante. Unité de lieu, de temps et d'action, la règle sacrée de la tragédie antique est respectée et la course est assez longue pour prendre parfois l'allure d'une épopée. Nous avons réuni Olivier Jean Debien, le champion des années 50-60, Jackie X, le recordman aux 6 victoires, Gérard Larousse et Henri Pescarolo, les héros de la saga Matra. 16 victoires à E4 et des exploits légendaires plein la tête. J'étais en train de dormir dans la caravane, ou du moins j'essayais de dormir, et j'étais tout d'un coup réveillé par Jean-Luc Lagardère, qui est venu me dire la voiture abandonne, il était affolé parce que bon, c'était quand même quelque chose d'important pour Matra. Alors bon, la voiture abandonne, je croyais qu'il y avait le moteur qui était en train d'exploser ou quelque chose comme ça. Je me réveille, je me dis qu'est-ce qui se passe. Il me dit une panne d'essuie-glace et Johnny Servoz-Gavin, qui était mon coéquipier, peut pas conduire. Puis il me regarde et il me dit, vous pourriez peut-être essayer. Donc je fonce au stand, je monte dans la voiture. Effectivement, c'était l'année où il y avait eu mai 68. On avait donc déplacé le Mans au mois de septembre. Il faisait un temps de chien épouvantable. Il tombait des cordes, comme ça arrive de temps en temps au Mans. Et moteur d'essuie-glace grillé. Je sais pas, ils avaient essayé de le réparer, ça avait regrillé, donc il n'y avait plus d'essuie-glace. Et je pars, je fais un tour. Alors c'était des conditions absolument dantesques. Je fais un tour, bon, j'arrive à peu près à m'accommoder à la situation. À ce moment-là, on me met un panneau au stand, rentrer au stand. Je croyais qu'il y avait encore un nouveau problème. Et là, c'était Jean-Luc Lagardère qui m'arrêtait pour me demander comment ça allait. Alors, fou furieux déjà, je commence à lui dire, mais si je m'arrête pas, c'est que ça va. Je suis reparti. Et là, j'ai eu quelque chose qui est assez amusant, c'est que la hantise d'un pilote qui est intégré dans une écurie très importante, c'est de casser la voiture, parce qu'il y a tellement d'intérêt en jeu. Et là, la voiture, si je ne conduisais pas, la voiture abandonnait de toute façon. Et je me suis senti complètement libéré de cette contrainte, sachant que de toute façon, si je sortais de la route, on ne me dirait rien, puisque j'avais fait ce que je pouvais. Pardonnez d'avance. Et je suis parti vraiment comme un fou, alors en me disant à chaque tour, de toute façon, c'est le dernier. Et puis, bon, faut croire qu'il y avait un bon Dieu ce jour-là, parce que non seulement j'ai tourné toute la nuit, parce que Servoz ne voulait pas remonter dans la voiture, donc j'ai fait 3 ou 4 heures là de suite, jusqu'au lever du jour. Et puis, non seulement j'ai arrivé à la conduire, mais je suis remonté jusqu'à la seconde place. A posteriori, je me dis que c'était quand même complètement stupide, parce que, surtout à cette époque, il y avait des voitures très lentes. Le nombre de fois où j'ai failli percuter des voitures par l'arrière, parce qu'on rentre à pleine vitesse dans un nuage d'eau. C'était une voiture qui roulait à quelle vitesse à peu près dans la ligne? Elle roulait déjà à plus de 300 cette matin. Et à plus de 300 de nuit sans essuie-glace, qu'est-ce que vous voyez? C'était pas raisonnable. Ouais. C'était pas raisonnable, mais disons que c'était assez exaltant pour moi, parce que c'était la première fois que au Mans, j'étais en position de gagner, puisqu'on me passait ma progression. Il n'y avait plus que la force devant moi. Et c'était extraordinaire. Et au petit jour, la pluie a cessé. Servoz a repris le volant. Et on était en position d'arriver second 24 heures du Mans. Mais ce qui fait aussi le succès du Mans, c'est que c'est un événement à grand spectacle. Autour, au bord et sur la piste, où tourne inlassablement le manège des fabuleuses, merveilleuses et prestigieuses machines. Les kilomètres s'égrènent de plus en plus vite, les moyennes grimpent de plus en plus haut. Dès
Dès 1926, une Bentley double le cap des 100 de moyenne. Jaguar franchit le mur des 150 en 1951. Ford enfonce la barrière des 200 de moyenne en 1966. Et Porsche fixe le record à plus de 220 en 1971, avant que les profondes modifications apportées au traditionnel tracé du circuit du Mans ne fassent retomber la moyenne à des valeurs plus compatibles avec la raison. Mais la manifestation la plus universellement connue et la plus caractéristique du spectacle du Mans, ce fut, longtemps, ce fameux départ au sprint, les coureurs d'un côté de la piste, les voitures de l'autre, rangées en épi dans l'ordre des chronos réalisés aux essais. Une tradition que l'on a crue immuable jusqu'au jour où un jeune champion belge, qui n'avait pourtant rien d'un iconoclaste, se mit en tête de la contester au nom de la sécurité des pilotes. Aujourd'hui, le départ est donné lancé, comme à Indianapolis, l'autre grande course emblématique du sport automobile sur le continent américain. Car Jackie Hicks a tué le départ en épi par le ridicule. Le cas du Mans et du départ en épi était, je dirais, au niveau de l'historique du Mans, formidable. Mais il avait un inconvénient à l'époque, c'est que pour être dans le coup et être rapidement en tête dans la ligne droite, il fallait sauter dans sa voiture et attacher son harnais, puisqu'à l'époque, il y en avait déjà. Il y avait deux recommandations à faire à l'époque, c'était de dire où vous l'attachez dans la ligne droite, ce qui était absolument impossible, de faire ça à 300 à l'heure, ou il fallait attendre un relais complet pour pouvoir s'attacher, c'est-à-dire venir au premier ravitaillement. Donc, j'ai traversé la piste, effectivement, au pas. J'ai dû accélérer en finale, bien avant l'enterrement, sinon j'aurais été happé, je dirais, par la meute des concurrents qui débouchaient. J'ai pris ma voiture, je suis parti dernier, et voilà. Je crois que ce qui a marqué les esprits dans cette course, c'est d'abord d'être parti le dernier et d'avoir terminé le premier. Parallèlement à ça, c'était la première fois qu'au Mans, on terminait à des allures de Grand Prix, probablement, mais d'avoir aussi eu les trois dernières heures aussi incertaines. Un pronostic était absolument impossible. Pourquoi ? Parce que le hasard a fait que ces deux voitures, en fin de course, marchaient pratiquement à la même vitesse. Les arrêts se faisaient exactement au même tour. Les changements de plaquettes de frein se faisaient au même moment, donc les arrêts duraient exactement de la même longueur. Et pratiquement, ce qui était formidable, c'est que ces deux voitures ne se sont pas séparées, je dirais, de plus de 150 mètres pendant 3 heures. Alors, ce suspense a été absolument formidable. Est-ce que vous rappelez encore comment vous l'avez vécu, vous, au volant ? Je me rappelle très bien de l'avoir vécu, parce que le seul endroit où je pouvais gagner la course, c'était de prendre l'aspiration d'Hermann dans la ligne droite et de me trouver au bout de la ligne droite en tête. Et je savais qu'à cet endroit-là, pour l'avoir répété pendant 3 heures, je savais que là, c'était très difficile de me repasser. Et malheureusement, quand on est arrivé à l'horloge, il manquait encore 30 secondes pour que les 24 heures se terminent, donc on était obligé de faire un tour de plus. Il y avait deux incertitudes à ce moment-là, c'est que nous étions tous les deux sans essence, enfin une incertitude, on ne savait pas si on allait pouvoir boucler ce tour, et d'autre part, je lui avais tellement bien montré ce qu'il ne fallait pas faire, que je me suis dit qu'il allait comprendre et que j'allais devoir changer de stratégie, pratiquement en m'arrêtant au début de ligne droite. À ce moment-là, il a pensé que j'étais en panne d'essence, certainement. Et donc, il est repassé devant le restaurant, devant, il a accéléré, il est parti. Et du moment où il est parti, je lui ai emboîté le pas. Donc, je lui disais vraiment, j'étais un bête stratagème ou un bête petit truc. Et donc, le dernier tour, j'ai pu le gagner. Mais c'est vraiment purement à l'intox. Où les aléas, vu la longueur de la course, sont plus nombreux qu'ailleurs, ce sont souvent les mêmes qui gagnent. Ont-ils un secret ? Et si oui, lequel ? Nos prestigieux spécialistes répondent. Eh bien, je crois qu'il y a en tout cas un recette de mon temps.
c'était d'avoir le courage de ne pas rouler trop vite. Parce que, en tout cas à l'époque, rouler pendant 24 heures à fond de la voiture, c'était impossible. Je crois qu'il faut énormément de réussite. Ce qui a été le cas du Mans. Mais je crois surtout qu'il fallait avoir les capacités de s'adapter aux circonstances du Mans. J'ai fait 15 Mans et ces 15 Mans étaient pour moi chaque fois différents au niveau de stratégie de course. À savoir qu'on fait toujours des efforts insensés pour établir des stratégies et on se rend compte très rapidement que les événements extérieurs chamboulent complètement ce programme. Moi, j'ai toujours dit que le meilleur pilote pour les 24 heures du Mans, c'est un pilote de Formule 1 intelligent. Donc il faut un pilote entraîné, un pilote qui raisonne au volant de sa voiture, et surtout un pilote qui ait assez d'entraînement pour, quand on lui demande de ne pas être aux limites de la voiture, que lui soit très très loin de ses limites, car énormément de courses ont été perdues aux 24 heures du Mans par des petits incidents, des petits accrochages, ce qui montre une concentration pas suffisante pendant 24 heures, ce qui montre que souvent des pilotes qu'on engage aux 24 heures du Mans, manquant d'expérience, si la voiture est loin de ses limites, eux sont proches des leurs et c'est ça le gros problème. Les 24 heures du Mans sont une épreuve massacrante pour les mécaniques, naturellement, parce que couvrir quelques 5000 km à vitesse de course représente l'examen d'endurance le plus impitoyable auquel un moteur peut être soumis. Mais c'est en même temps une épreuve épuisante pour les hommes qui y participent, qu'ils soient dans les stands, chargés de surveiller la progression de leur bolide, d'ausculter ses entrailles ou éventuellement de panser ses blessures. Ou bien qu'ils soient au volant, acharnés à tenir coûte que coûte leur moyenne, qu'il pleuve ou qu'il vente, durant deux tours d'horloge menés tambour battant, seulement hachés pendant les relais de brèves périodes de sommeil ou de somnolence dont il faut impérativement émerger sans délai pour reprendre le volant en pleine possession de ses moyens. C'est si dur qu'aujourd'hui, la plupart des équipes sont formées de 3 pilotes et non plus de 2 comme autrefois. C'est vrai que dans le temps, enfin, c'est-à-dire il y a quelques années, on pouvait conduire ces voitures-là du bout des doigts. Tout a changé avec l'apparition de l'effet de sol. Et ces protos, aujourd'hui, sont physiquement extrêmement éprouvants. Je crois que Derek Bell et moi-même sommes parmi les derniers à avoir constitué des équipages homogènes de 2 personnes prêts à disputer les 24 heures. Qu'on a terminé dans ces dernières éditions de manière très éprouvée, je dirais. Moi, je perdais régulièrement 6-7 kilos, Derek certainement aussi, et il n'aurait pas fallu que les 24 heures durent une heure de plus. Ceci dit, la tension varie d'un moment à l'autre, parce qu'il y a, la ligne droite d'une Audière où on roule à 360 km/h, c'est curieusement, ça a toujours été l'endroit où on se repose le plus. C'est-à-dire qu'on peut, dans la ligne droite, regarder ce qui se passe au restaurant chez Gélissen. On voit les uns et les autres. Et c'est très curieux, parce que personne ne peut imaginer qu'en roulant au restaurant, on est à 300 à l'heure. Enfin, en ligne droite, on est à 350, à 340. Indépendamment du virage au bout de la ligne droite, qui est un virage qui était un virage difficile avec des GT40, avec une Porsche 962. Ça passe plutôt facilement, je dirais à la limite, on peut presque le faire d'une main. Ah, cette ligne droite des Hinaudières, elle en aura suscité des controverses. En gros, les modernes sont contre parce qu'ils la jugent inutilement dangereuse, mais les anciens sont pour parce qu'elle constitue un rude challenge technique et au nom de la tradition. Moi, je pense que la spécificité du Mans, c'est sa ligne droite. Et bon, comme beaucoup d'amoureux du sport automobile, chaque fois qu'on essaye de détruire quelque chose qui a fait la légende du sport automobile, ça me fait mal. Mais vouloir transformer le circuit du Mans en un circuit de Grand Prix, je trouve que c'est vraiment déraisonnable parce que c'est une épreuve qui a perdu beaucoup de son prestige depuis quelques années.
S'il garde encore un certain prestige et un certain attrait auprès du public, c'est peut-être parce que régulièrement on annonce que des voitures vont rouler à 400 km/h. C'est magique. Au Mans, se sont formés des équipages de légende qui ont dominé leur époque en démontrant une maîtrise absolue de leur sujet. Ainsi, au temps où la Scuderia Ferrari se couvrit de gloire en remportant 9 victoires, dont 6 d'affilée, l'équipe, formée par l'Américain Phil Hill et le Belge Olivier Jean Debien, se montra presque invincible. Elle enleva son troisième et ultime succès en 1962, bien que le fier commendator, selon Jean Debien, fût devenu jaloux de ses pilotes et eût préféré qu'un autre équipage l'emportât, de sorte que le mérite de la victoire revint à la marque. À cette époque, la fin des années 50, le début des années 60, c'était, on peut dire, peut-être l'âge d'or un petit peu des 24 heures du Mans, n'est-ce pas ? Je crois que non seulement c'était l'âge d'or au point de vue des organisateurs, dans le sens que le public venait beaucoup, mais surtout que pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, ça a été un apport énorme. Parce que si les Jaguars ont gagné avant le Ferrari, c'est parce qu'ils avaient les freins à disque. Et oui, la Jaguar C de Rolt et Hamilton, qui franchit pour la première fois le cap des 4000 km en 1953, a montré la voie avec les freins à disque Dunlop dont elle était équipée, alors que toutes les autres marques était encore fidèle au tambour. Même chose plus tard pour les Farayod qui furent aussi étrennés au Mans. Pourquoi est-ce que vous avez privilégié cette épreuve-là dans le sport automobile plutôt que d'autres ? Tout d'abord, la réputation de la course. En second lieu, c'est une course d'endurance. C'est pour nous, manufacturiers pneumatiques, est très important de pouvoir tester en compétition, nos pneumatiques sur des courses d'endurance qui nécessitent énormément de progrès techniques, d'applications à les construire, à les produire. Alors, indépendamment des freins à disque et des pneus, il y a un autre système de sécurité qui a été promu par votre société, qui a été essayé également ici. Qui a été essayé aux 24 heures du Mans et sur lequel nous continuons à courir, puisque c'est le fameux système Dunlop. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? Alors, le système Dunlop est un système qui permet, en cas de crevaison, d'éviter le déjantage du pneu et donc de pouvoir poursuivre avec un maximum de sécurité. On dit donc que la compétition apporte moins de retombées techniques qu'autrefois sur la voiture de série, mais vous montrez que c'est quand même pas tout à fait vrai. Pas tout à fait vrai, non. Le système Dunlop n'a pas encore eu toutes les retombées dans le public que nous souhaiterions qu'il ait, mais il y a quand même déjà plus de 5 millions de systèmes Dunlop qui roulent dans le monde et j'espère encore de nombreux pour le futur. Mais si utiles que soient les retombées techniques du Mans pour la sécurité et le confort de conduite de la voiture de tous les jours, le public se passionne au moins autant pour l'aventure humaine, car il est sensible à la dimension épique de cette épreuve hors norme. Sous les casques, aux couleurs contrastées, on devine une connivence absolue entre ses coéquipiers tendus vers le même but. Tout le contraire, au fond, de l'univers impitoyablement égocentrique de la Formule 1, où chacun défend sa chance de manière implacable, y compris contre son propre compagnon d'écurie. Contrairement à Olivier Jean Debien, archétype du gentleman driver, certains pilotes, parmi les plus grands, n'ont jamais réussi au Mans parce qu'ils n'aimaient pas partager. Quelle était la qualité primordiale que vous demandiez à votre coéquipier aux 24 heures du Mans ? Eh bien, la qualité essentielle, c'était d'être ce que moi j'appelle honnête. Par exemple, en 62, nous avions décidé de ne pas dépasser ou de rouler 500 tours de moins que le régime autorisé par l'usine. Eh bien, si j'avais eu un coéquipier pas tout à fait honnête, pour faire le même temps que moi, il aurait dépassé le régime. Eh bien, je sais que Philil ne l'a jamais fait, parce qu'il conduisait exactement comme moi. Donc, il pouvait faire le même temps en employant le même régime. Vous pensez que si Fangio ou Moss n'ont jamais gagné le Mans, c'est parce qu'au fond, ils n'essayaient pas vraiment. Ils essayaient peut-être de casser le plus vite possible. D'ailleurs, une anecdote très amusante. Je crois que c'était en 58. Au départ, le Mans,
qui était départ triplement, il y avait trois Ferrari. J'étais au milieu, à ma droite, il y avait Peter Collins, à ma gauche, il y avait Margot Thorn. Et quand nous avons été dans le petit rond, avant le départ, deux minutes avant le départ, moi j'étais là, toujours assez calme, les deux autres, Peter Collins d'un côté et Margot Thorn de l'autre, sont venus chez moi. Et j'ai dit à Mac, j'ai dit en anglais, comment vas-tu conduire? Il m'a répondu, je vais faire un Grand Prix. Là-dessus, j'ai demandé à Peter Collins, et toi, que vas-tu faire? Il m'a dit, je vais faire, en anglais, il m'a dit, je vais faire la même chose. Je leur ai dit, ben, vous n'allez pas aller loin. Et Peter m'a répondu, textuellement, en anglais, j'espère que nous n'allons pas aller loin, comme ça nous irons dîner chez Ricardo. Et en effet, ils se sont très bien amusés, ils ont fait de la course pendant deux Grands Prix, pendant deux ou trois heures, je sais pas. Et ils ont été dîner chez Ricardo. Sans vous. Et voilà. Et bien entendu, Phil et les Bois, qui avaient été, comment dirais-je, nous sommes ennuyés pendant 24 heures, nous avons gagné. Même phénomène chez Matra dans les années 70, où l'équipage Pescarolo-Larousse monopolisa les victoires aux dépens des pur sang réputés plus rapides. En sport prototype, il y a beaucoup de moments où on doit faire passer l'intérêt de la marque avant son intérêt personnel. Et Gérard était parfait pour ça parce qu'on avait tous les deux la même approche de cette discipline particulière, à savoir que si c'est lui qui réalisait un bon temps, on arrêtait la voiture et je remontais pas dedans comme un fou pour prouver que j'étais plus rapide. Et l'inverse était aussi exact, ce n'était pas le cas des autres voitures en général. Et ensuite, pendant la course, on avait aussi la même approche, c'est-à-dire que si on sentait que des pneus se dégradaient et qu'on faisait des moins bons temps, on ne s'arrêtait pas instantanément en disant on va considérer que je suis un mauvais, on pensait au résultat final. Si on s'arrête, on perd tant de temps. Si on continue, on va gagner un petit peu. Parce qu'on raisonnait beaucoup dans la voiture. Alors très souvent, c'était effectivement au détriment de notre réputation. Mais par contre, à la fin, on gagnait. Et donc je me suis très très bien entendu avec eux. Au Mans, l'esprit d'équipe peut parfois exiger que les pilotes acceptent de subordonner leur propre sort à l'intérêt supérieur de la marque dont ils défendent les couleurs. Un exercice auquel ces grands individualistes ont du mal à se plier. Ayant raccroché son casque, après avoir enlevé deux fois les 24 heures, Gérard Larousse le savait bien lorsqu'il mena l'équipe Renault-Elf à la victoire en tant que chef d'écurie. Ça m'avait passionné de composer les équipes à l'époque de la victoire de Renault, parce qu'il y a un aspect psychologique extrêmement important dans le choix des équipages. Et qui finalement sont choisis aussi en fonction de la stratégie qu'on veut adopter pendant la course. La stratégie est toujours relativement simple hein, pour toutes les équipes, c'est-à-dire que vous devez forcément avoir une voiture qui va plus vite que les autres, qu'on appelle le lièvre, et qui doit essayer de faire casser les adversaires pendant la nuit pour pouvoir récupérer la victoire au petit matin avec la deuxième ou la troisième voiture. Ça, c'est la stratégie hyper classique des 24 heures du Mans qui a été utilisée par Ford, à l'époque, a été utilisé par Porsche et par Renault aussi. Alors concrètement, comment ça se passe? Vous établissez avec vos équipages au préalable un tableau de marche, n'est-ce pas? Alors, en fait, pendant la course, ce tableau de marche, c'est quand même un petit peu théorique, il peut arriver qu'il ne soit pas respecté pour différentes raisons. Qu'est-ce qui se passe alors? Je pense que les pilotes, bien sûr, essayent de profiter des circonstances sans tirer sur la mécanique. Et c'est souvent la nuit que ça se passe aux 24 heures du Mans. Et je me souviens, quand j'ai gagné les 24 heures du Mans, je les ai toujours gagné la nuit. C'est la nuit où on voit les grands pilotes, parce qu'il faut être très courageux pour aller vite au Mans la nuit, il faut y voir très très bien, et puis c'est quand la fatigue commence à peser que là, justement, il faut fournir l'effort. En particulier dans notre victoire avec Renault, Didier Pironi avait fourni un effort fantastique pendant la nuit où il avait tourné le plus vite de tous nos équipages sans probablement demander plus à sa mécanique parce que la nuit il fait plus frais, les moteurs sont en bonne forme, c'est mieux de rouler vite la nuit pour la mécanique que de rouler vite le jour. Aujourd'hui, pratiquement tous les équipages ils sont composés de trois pilotes alors que autrefois deux suffisaient.
Comment est-ce que vous voyez cette évolution-là? Je pense qu'effectivement, les voitures sont de plus en plus difficiles à conduire. Ça, il n'y a pas de doute. Hein. On le voit bien. Plus vous prenez d'appui aérodynamique, plus les voitures, plus vous supportez des jets latéraux dans les virages, plus la voiture devient difficile à conduire. Je crois que c'est pour ça qu'il y a trois pilotes aujourd'hui dans toutes les équipes. Ce qui était possible de faire à deux, même à des gens qui ont conduit, je crois, des records extraordinaires aux 24 heures du Mans, qui ont conduit 12 heures d'affilée. Bon, aujourd'hui, c'est à trois. En général, les pilotes se partagent les relais, et d'ailleurs, aujourd'hui, aucun n'a le droit de conduire plus de 14 heures sur 24. Mais il n'en fut pas toujours ainsi. En 1952, le Français Pierre Lévègue faillit mettre en échec la puissante armada Mercedes à lui seul. Phénomène de résistance, il conduisit en effet sa Talbot depuis le départ et durant toute la nuit sans se faire relayer. Le petit jour se lève. Les nappes de brouillard qui prennent au ras du sol gênent considérablement les concurrents. Mais ils ne réduisent pas pour cela leur allure. Et les dizaines de milliers de spectateurs sont toujours là, n'ayant pas abandonné leur poste. Rien de tel qu'une petite toilette matinale en plein air pour chasser les courbatures de la nuit. C'est toujours Lévègue sur la Talbot numéro 8 qui mène depuis l'abandon de la Gordini numéro 34. Mais il avait présumé de ses forces et il cassera à 1h10 de l'arrivée seulement alors qu'il avait course gagnée, laissant la victoire à Mercedes à cause d'une fausse manœuvre imputable sans doute à sa fatigue. Alfred Neubauer, le manager de l'écurie allemande, devait se souvenir de l'héroïque prestation du pilote français. Et 3 ans plus tard, il l'invitera à conduire une Mercedes d'usine. Pour Lévègue, c'était un rêve qui allait se réaliser. Hélas, il va se transformer en un épouvantable cauchemar. Comme j'étais là pour Mercedes, je déjeunais toujours au Faisan Doré, sur la route qui arrive au Mans, où Mercedes avait son quartier général. Et je me souviens, 3 ou 4 jours avant la course, quand il était toujours question que je conduise la voiture, il y avait au déjeuner là, il y avait Lévègue, qui était juste en face de moi, et il y avait une autre table, il y avait Stirling-Moss. Et pendant le déjeuner, je demandais à Lévègue ce qu'il pensait de la voiture. Et il m'a répondu textuellement, il m'a dit, si tu conduis cette voiture, tu verras qu'elle va trop vite. Et après le déjeuner, pendant qu'on prenait le café, j'ai posé la même question à Stirling. Il m'avait dit, si tu conduis cette voiture, tu verras, c'est la voiture la plus facile à conduire que j'ai jamais vue. Et là, on voyait la différence entre l'un, Stirling, qui était au maximum de sa forme, et Lévègue, qui était, je dirais, à la fin de sa carrière. Le samedi 11 juin, 60 voitures prennent le départ des 24 heures du Mans 1955. 300 000 spectateurs sont là, pour qui les premiers tours de la ronde fantastique sont, sans qu'ils s'en doutent, le prologue du plus grand drame du sport automobile. Qui sait parmi la foule que cette Mercedes numéro 20, pilotée par Lévègue, va ici même, à l'entrée de la zone des ravitaillements, exploser et semer la mort? La mort est passée. Et les documents de la télévision française, tournés par nos camarades Rebuffa et Lariaga, ainsi que ceux d'un cinéaste amateur, permettent de revivre ces minutes dramatiques. Les gendarmes improvisent des linceuls. Les morts et les blessés jonchent le terrain.
Les secours s'organisent spontanément. Un prêtre même apporte les derniers réconforts ou la bénédiction de la foi. Tout devient hallucinant. 20, 40, 50, 80 morts, sans blessés graves. La Mercedes du malheureux Levègue se désintègre littéralement, criblant encore tout l'alentour d'éclats de magnésium. Durant près de 3 heures, les ambulances, les sauveteurs, les brancardiers transporteront les victimes vers les hôpitaux par les routes heureusement restées libres parce que la course continue. Après un ralentissement qui a duré plusieurs tours, les bolides ont repris tous leurs droits. La nuit, longue et monotone, voit les Mercedes abandonnées à 2 heures du matin en signe de deuil. Au petit jour, les voitures anglaises mènent la course. La Aston Martin numéro 23 sera deuxième. La Jaguar numéro 6 bat tous les records de l'épreuve et en couvrant 4135 km à la moyenne horaire de 172 km 308, ses pilotes Hawthorne et Bubb remportent les 24 heures du Mans 1955. J'ai compris pourquoi la catastrophe du Mans avait lieu. Parce qu'au moment du ravitaillement d'essence, les gens, les pilotes, ne regardaient quitter la route de vue pendant une fraction de seconde. Pour regarder le panneau de signalisation. Exactement. Mais comme on roulait à peu près à 180 à 200 l'heure, eh bien, ça fait que pendant à 180 à l'heure, pendant un tiers de seconde, on parcourt 16 m50. Donc, selon vous, Levègue, ou du moins le pilote de l'Austin Healey, était en train de regarder son panneau de signalisation au moment où Levègue arrivait. Exactement. C'est ça. Il n'avait pas vu Levègue arriver dans son rétroviseur, enfin arriver derrière, et Levègue ne regardait pas devant lui parce que lui aurait eu la place de passer entre le mur et l'Austin Healey. Et seulement, il ne regardait pas et il cherchait son centre. Or, les gros cylindres étaient le plus bas. Donc, c'était le Mercedes et compagnie. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est grimpé sur le ciel. Mais les 24 heures, c'est aussi, c'est surtout une fête. Une grande fête. Fou de sport automobile, le regretté Steve McQueen choisit Le Mans pour cadre d'un film à grand spectacle. Il fut tourné avec des moyens considérables, dans un scrupuleux souci d'authenticité qui honora son promoteur avec de vraies voitures de course et le concours de vrais pilotes sur les lieux mêmes de la course. La production avait édifié dans le circuit un camp où l'équipe de tournage résida plusieurs mois durant. Passionné des 24 heures, le grand acteur Paul Newman, lui, n'hésita pas à participer à la course. Et fort brillamment, puisqu'il s'y classa second, au volant d'une Porsche 935, malgré un final un peu difficile. Le Mans, ce n'est pas une course comme une autre, c'est un événement, un rite, un mythe auquel participe toute une région et pour lequel le monde entier se passionne. Spectateurs, on vient voir la course, bien sûr, mais on vient surtout s'imprégner d'une ambiance à nul autre pareille, celle que la durée de l'épreuve instaure aux abords de la piste. Une ambiance bon enfant, où l'on peut prendre le temps de se distraire, de se nourrir ou de se reposer pendant qu'inlassablement, les voitures poursuivent leur ronde. Sur le circuit, cependant, règne une toute autre ambiance. Comptable des énormes intérêts mis en jeu par les marques qui les emploient, les pilotes se donnent à fond. Mais ce qui caractérise le mieux les 24 heures, c'est le féerique spectacle de la nuit. Tandis que les trajectoires dessinées par les faisceaux des phares transforment la course en épure, la kermesse, elle, bat son plein. C'est le contraste entre l'insouciance de ces joyeux lurons d'une part
la tension qui règne dans les stands des concurrents et dans les cockpits de l'autre, qui compose l'atmosphère véritablement sans pareil de cette épreuve. Depuis l'origine, les plus grandes marques d'automobiles sont venues au Mans chercher la consécration. Si c'est en Grande-Bretagne que les 24 heures jouissent de la plus grande popularité, c'est assurément parce que les constructeurs britanniques s'y sont illustrés plus souvent qu'à leur tour. Bentley, dans les années 20-30, a remporté 5 fois l'épreuve. Et Jaguar a égalé le palmarès de Bentley dans les années 50. 5 victoires qui coïncidèrent avec l'essor de la marque et contribuèrent à lui conférer un label sportif absolument indélébile dont elle profitait encore 20 ans après avoir abandonné la compétition. Ferrari prit la suite dans les années 60. Mais autant que ses 9 victoires, c'est l'héroïque bataille qu'il livra à Ford qui a marqué cette époque. À l'issue de cette version revue et mécanisée du duel entre David et Goliath, le géant américain finit par terrasser l'artisan italien. Mais la résistance acharnée de celui-ci contribua largement à l'édification de sa légende. Après la guerre, les couleurs françaises furent surtout défendues par des voitures de petite cylindrée, concourant pour les classements à l'indice de performance ou à l'indice énergétique. Panhard, DB, Alpine notamment s'y illustrèrent souvent au cours des années 50-60. Mais les années 70 vont être dominées par l'industrie nationale, et en particulier par Matra, qui va s'imposer à 3 reprises entre 72 et 74. Ce sera le grand retour des voitures bleues sur le circuit de la Sarthe, où elle n'avait plus gagné depuis 1950. Et ce triomphal triplé aidera considérablement la jeune firme Matra à conquérir l'image de compétence technologique qui lui a permis depuis de s'imposer sur tous les marchés du monde. Renault, qui avait besoin de rehausser son image de constructeur de petites voitures bon marché à l'heure de se lancer dans une nouvelle politique de gamme plus ambitieuse, prit le relais de Matra. En juin 78, mission accomplie, Didier Pironi et Jean-Pierre Jossot, tels les généraux romains, sont passés sous l'arc de triomphe. Commence alors une longue, très longue période de domination Porsche qui, depuis 79, n'a été interrompue qu'une seule fois quand le regretté constructeur artisan manceau Jean Rondeau l'emporta à la surprise générale en 1980. Depuis, Porsche a gagné 7 fois de suite. Cette implacable supériorité de la marque allemande s'explique naturellement par la qualité de ses voitures et par l'expérience sans égale qu'elle a acquise dans cette épreuve. Cependant, elle a reflété aussi une désaffection certaine des autres grandes marques d'automobiles pour les 24 heures, en raison notamment d'un règlement technique que l'on a accusé d'être trop fortement inspiré par Porsche et qui fait de la consommation un facteur de performance aussi décisif que la puissance ou les qualités routières. Porte à croire cependant que cette époque est maintenant révolue et que, peut-être, les 24 heures du Mans vont retrouver leur incomparable lustre d'antan. C'est Jaguar, d'abord, qui s'est décidé l'an dernier à revenir sur les lieux où elle se couvrit de gloire il y a un peu plus de 3 décennies. Et voici que Mercedes, à son tour, relève le défi des 24 heures, qui s'apprête donc à retrouver leur statut d'épreuve phare du sport automobile. Une épreuve où la victoire est vraiment significative, en particulier dans le domaine de la technologie de pointe, que ce soit en matière de moteur, d'aérodynamique, de frein ou de pneumatique. Alors combien de victoires Dunlop a déjà remporté au Mans ? 32 victoires aux 24 heures du Mans pour Dunlop. Alors je suppose que cette nuit vous allez regarder avec ferveur particulière le déroulement de cette course, parce que vous allez sûrement espérer
que la 33e arrive. Nous allons vibrer encore plus cette nuit que les nuits des autres années, en espérant gagner une fois de plus pour notre centenaire. Vous équipez les deux favoris. Est-ce que vous n'en avez pas un vers qui votre cœur penche plus particulièrement ? Non, notre cœur ne penche pas. Nous espérons que le meilleur gagne. Pourvu qu'il soit équipé de Dunlop. Pourvu qu'il soit équipé de Dunlop. Et voilà, à 15h, ils sont partis pour la 56e édition des 24 heures du Mans. À 7h, il fait encore trop sombre pour deviner qui l'emportera.